Merci à toutes les deux d'être là. Donc aujourd'hui, on est avec Anne Bouclier, qui est donc éditrice chez Piranha, qui est la seule éditrice, entre guillemets, chez Piranha, avec Jean-Marc Loubet, qui est le créateur qu'on a eu la chance d'avoir il y a 2 semaines à peu près. Et on est évidemment avec Natacha Diem pour son roman, pour son premier roman. Donc on va évidemment en parler. Et j'aimerais d'abord que Anne présente un petit peu la maison, mais succinctement, la maison Piranha, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. La première vidéo est sur YouTube, mais je préférerais que ceux qui n'étaient pas là, l'entendent à nouveau. Ok, donc Piranha, c'est une maison qui a deux histoires en fait, ou une histoire en deux parties, et qui a été fondée donc par Jean-Marc et un mécène il y a en 2014. Et ensuite, le mécène en question est mort brutalement, et donc on a un peu arrêté de publier. Et on ne savait pas trop ce qu'on allait. Enfin, on a continué d'abord à publier, et puis après, bon, il s'est passé plein de choses. Et nous avons décidé Jean-Marc et moi, de nous associer pour reprendre la maison. Voilà. Et donc, c'était une maison qui était très spécialisée, enfin, même exclusivement, dans la traduction, et en particulier au départ de la traduction de l'allemand. Et nous avons un peu développé les traductions. Enfin, on a fait de l'anglais, on a fait du russe, on a fait du chinois, je crois qu'on a fait du japonais, si mes souvenirs sont bons, un bouquin en espagnol et un seul roman policier en français. Voilà. Et puis, un peu après, quand nous avons repris, nous avons publié, nous avons pris la publication, enfin, vraiment le travail avec un bouquin de Sloterdijk et puis voilà les traductions qui nous restaient et ensuite eh bien, on est tombé sur enfin on était tombé sur Natacha bien avant, enfin moi j'étais tombée sur Natacha bien avant et du coup voilà on s'est mis un peu au français et on a décidé parce que pour des tas de raisons en fait. D'abord parce qu'on trouvait que le bouquin il était bien et que ça valait le coup de se mettre de faire une exception. Et en fait, c'est peut-être le début d'une autre histoire où on va faire plus de français. Voilà. Et c'est Natacha qui a un peu déclenché cette nouvelle histoire. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y parce que je ne sais pas qui c'est quoi, qui s'intéresse à quoi, qui intrigue. Alors, il faut savoir qu'il y a vraiment 15 nouvelles têtes de la dernière fois, donc 15 nouveaux blogueurs qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé cette petite Ouais. introduction. Et alors, comment as-tu déniché Natacha déjà dès le départ? Ben, comme j'ai déniché pas mal de gens dans ma vie, en fait, je crois, une terrasse de troquet. Voilà. Et en fait, elle était. Pardon? Ben, je crois que je vais me brancher à mon téléphone parce que ça va pas du tout là, en fait. Hein. Si vous avez 2 secondes, Ouais, je vas-y, vais vas-y. voir ce que je peux Natacha, faire. tu veux déjà commencer à te présenter pendant ce temps? Oui. Enfin, oui, avec plaisir. Que dire? Va? Tu as Alors, moi, une idée? en effet, c'est un Ouais, premier c'est bon. roman. Non, parce que moi j'ai une image figée. Ouais, ça va. C'est pas très agréable. Continue, Natacha, continue. Je continue. Ouais, j'ai eu une affiche, j'ai été mise en sourdine par l'animateur, donc je suis très vexée là pendant 3 secondes. Non, mais attends, Donc excuse-moi, je reprends. Bah ouais. reprends. Quoi? Oui, Donc je reprends. reprends. Donc j'ai rencontré Natacha une terrasse de café et j'ai été. Voilà, j'ai entendu parler de son bouquin à quelqu'un et j'ai raconté ça sur un blog, moi, quelque part. Et puis voilà quoi. Et pour une fois dans ma vie, j'ai fait, comment dire, je me suis jetée un peu et puis j'ai dit, ouais, mais moi je voudrais bien lire ton livre. Et ça, c'était, bon, il y a quelques années, à l'époque, on faisait pas du tout de français. Et j'en ai reparlé à Jean-Marc voilà, l'année dernière et il m'a dit, bon, on y va, quoi. Vas-y, le bouquin te plaît, vas-y.
Voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà le problème du confinement, par exemple. On ne peut plus rencontrer... Le problème de quoi? Du confinement. On ne peut plus rencontrer des éditeurs à un troquet. Par hasard. Oui, par hasard. Ouais. Donc, on croise des gens dans la rue aussi. On croise des gens dans la rue. Oui, en fait, on était en troquet sur une terrasse et je parlais à une amie et puis Anne... on était très proches et Anne a entendu notre conversation et puis après elle m'a parlé et on a discuté ensemble et je lui ai proposé de lire mon manuscrit qui était, je pense qu'au tout départ, je n'étais même pas dans l'idée forcément d'être publiée, etc. C'était vraiment, j'ai écrit par désir, par nécessité, et à un moment, c'est vrai que ça fait pas mal d'années que j'écris partout, j'ai des bloc-notes partout, j'ai des petits cahiers partout, sur mon téléphone aussi, à un moment, ça a fait sens, c'est-à-dire que j'écrivais toutes ces petits moments disparates, ces souvenirs, et puis des histoires que j'inventais, etc. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui liait en fait tout ça. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, j'avais vu une intervention de David Lynch. Enfin voilà, après on passe à autre chose, c'est du cinéma, mais qui expliquait quelque chose de très intéressant. Il disait que selon lui, les auteurs, les artistes ou les créateurs, je ne me mets pas spécialement dans ce monde, mais en tout cas, les gens ont sans doute une construction inconsciente de quelque chose. Et il explique, lui, il le fait beaucoup par la méditation, qu'il faut aller à la pêche. C'est comme des poissons, c'est-à-dire que ils pêchent des choses et il n'a pas la conscience qu'il y a une construction qui est déjà préétablie. Et en fait, à force d'aller à la pêche, il y a un moment où la chose, c'est comme un tableau, quelque chose se dessine. Et selon lui, c'est un petit peu inconscient. Enfin voilà, c'est pas un petit peu, c'est inconscient. Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Et donc, j'ai écrit ce roman. Anne a entendu, je parlais de ce manuscrit, puis ça s'est passé comme ça, elle a voulu le lire. Et on a beaucoup travaillé ensemble, voilà. Ah, je vous entends plus. Oui, ouais. À noter que tu travailles dans l'audiovisuel, encore actuellement. Oui. Voilà, donc si j'ai bien compris, tu écris des scénarios et des nouvelles ? Non, pas vraiment. En fait, je suis plutôt... non, mais c'est marrant. Je suis plutôt dans la production. Donc, je suis chargée de production. Donc, je m'occupe plutôt de tout ce qui est logistique et organisationnel de documentaires, en l'occurrence, énormément de documentaires. J'ai eu un parcours assez disparate. D'abord, je suis belge, hein, je vis depuis 20 ans maintenant en France, mais j'ai fait des études de communication, j'ai fait beaucoup de théâtre, et à un moment, par la force des choses, je cherchais du boulot, j'ai travaillé sur des courts-métrages, et puis voilà, en effet, c'est mon gagne-pain, quoi, ça c'est sûr, c'est l'audiovisuel. Et en fait, j'ai fait aussi pas mal de formations de scénaristes qui m'ont pas forcément... Parce que, en fait, moi, j'ai énormément de mal. J'ai carrément essayé plusieurs fois d'écrire des scénarios. Je fonctionne beaucoup par image. C'est-à-dire, j'ai vraiment des images que j'essaye d'écrire, mais à la base c'est des images. Mais écrire un scénario, pour moi jusqu'à présent, c'est un exercice extrêmement douloureux parce que peut-être parce que j'ai suivi ces formations, ça m'a trop donné
une idée qu'il faut absolument une structure dès le départ. Alors après, c'est pas vrai, hein, y a des scénaristes qui travaillent différemment. Mais moi, ça me bloque, en fait. Ça me bloque totalement. Et donc, j'ai un peu... En même temps, j'écris tout le temps des petits courts-métrages, etc., qui, j'en sais rien, qui verront peut-être un jour le jour. Et puis, connaissant l'industrie de l'audiovisuel, c'est tellement dur, c'est tellement... Enfin, c'est vraiment périlleux de, enfin, voilà, de se lancer à la recherche d'un producteur, de financer même un court-métrage. Après, maintenant, il y a des techniques, etc. Il y a des jeunes qui font des choses formidables avec rien, avec très peu de sous, et c'est extraordinaire. Mais moi, je suis un peu déformée par ce que j'ai connu de l'audiovisuel. Voilà. Et donc, l'écriture, pour moi, est une façon, en tout cas, c'est un premier roman, hein, il vaut ce qu'il vaut, moi je ne suis pas... Mais c'est une façon d'exprimer et de mettre en mots les images que j'ai dans ma tête. Voilà. Est-ce que vous pourriez déjà faire le pitch du livre ? Ah oui, je peux essayer, Juan. Le pitch du livre, je dirais, je vais essayer d'être succincte. Pas de spoil, on a l'intention de le lire. Ah, alors, d'accord. Je vais le faire très, très simplement. C'est une alternance de chapitres entre une petite fille et la femme qu'elle est devenue. Et c'est la remise en question de ce que. Est-ce que un adulte est l'adulte est une version de l'enfant? Est-ce que l'adulte est une nouvelle version ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Et je me suis posé en fait cette question, ça fait pas mal d'années que je continue à me poser cette question, c'est-à-dire quelle est la part en fait de vérité ou de personnages qu'on s'est construit pour faire face à plein de choses, pour se construire en tant qu'adulte. Est-ce que l'adulte qu'on est devenu est la version grande de l'enfant qu'on était? Et par cette question, je remets en question plein de choses. Notre relation amoureuse, nos relations avec nos enfants, la vision qu'on a de nous quand on était petit, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que, en fait, les souvenirs que j'ai de moi enfant sont une construction complètement folle et peut-être un petit peu absurde de ce que je pense, ce que j'étais quand j'étais petite. Ça remet en fait toute cette... C'est comme un dialogue, en fait. Un dialogue entre elle petite et elle femme. Voilà. La mère qu'elle est devenue. Est-ce qu'elle est une bonne mère? Enfin voilà, c'est un peu compliqué, j'ai pas l'habitude de parler de mon roman, mais voilà. Et Anne, justement, tu veux rebondir? Voilà. Ouais, voilà, j'ai juste un truc à préciser, et ça correspond tout à fait à ce que dit Natacha, en fait, hein, évidemment. C'est que les chapitres où c'est la petite fille qui parle, c'est vraiment des souvenirs, c'est des tableaux vivants. C'est-à-dire qu'elle a une anecdote, elle la raconte et c'est la voix de la petite fille. Ou ce que l'adulte... Mais c'est la voix de la petite fille. Quand elle est adulte, les chapitres où elle est adulte, c'est plus introspectif, c'est plus de la réflexion, c'est plus un regard. Et on voit très bien... Enfin, c'est ça qui est très fort, c'est qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de changement de police, il n'y a pas de marque. Et... On t'a perdu, Anne. T'as perdu, ouais.
Voilà. Bah, ça lui arrive. Donc, il n'y a pas de changement de chapitre. Enfin, il y a des changements de chapitre, il n'y a pas de marque. On ne dit pas, là, c'est la petite fille qui parle. Là, c'est... Mais à aucun moment, on se perd parce que ce n'est pas du tout le même regard. Il y a l'adulte qui s'interroge et il y a la petite fille qui raconte. Et ça, c'est, voilà, moi, je pense que ça correspond vraiment à ce que dit Natacha, quoi. Ça illustre bien ce que dit Natacha, en fait. Comment vous avez fait, voilà. Natacha, à vous immiscer dans cette... Comment vous avez fait, Natacha, justement, à vous immiscer dans la tête de cette petite fille? Est-ce que ça a été une résonance personnelle ou est-ce que vous avez fait preuve d'imagination réellement totale? Est-ce qu'il y a une part de vous dans ces chapitres d'enfants qui sont assez frappants, en fait, parce qu'on entend vraiment la jeune fille parler comme un véritable enfant, et ce qui est très, très rare dans un roman. Donc, c'est vraiment à louer, en fait. En fait, il y a les deux. Il y a une part vraiment de... Oui, qui est d'inspiration autobiographique réellement, où j'ai essayé de me souvenir. Mais en même temps, c'est une autre thématique qui j'espère verra le jour dans mon prochain roman. C'est la part de, en fait c'est toujours le même truc, c'est la part quelle est la part de réalité dans nos souvenirs. Moi franchement je me pose encore la question maintenant, bien sûr qu'il y a des faits dont on peut se rappeler, mais rien que le fait de s'en souvenir, ils sont déjà tronqués. Et quelque part, si vous voulez, moi j'ai essayé de prendre une loupe et d'énormément travailler en fait aussi via mon corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais me dire, enfin, je sais pas, je suis en train d'écrire, je donne un exemple, un passage. Voilà, je vais vous parler d'un passage. Il y a un passage avec un hamster qui était mon petit animal de compagnie. Bien sûr, je n'ai pas un souvenir clair, précis, et ce n'est pas le miroir de la réalité de ce qui s'est passé, de mon petit drame avec mon hamster. Mais par contre, je peux ressentir, en y repensant, ce que j'ai ressenti comme tristesse. Par exemple, de la perte de ce petit animal qui était pour moi vraiment très, très important. Et donc, je vais aller chercher vraiment dans mes émotions et presque trouver un rythme et une musique où je vais pratiquement, même si le moment est triste, m'amuser à aller chercher. Tiens, mais... et là, il y a une part, un moment d'invention, c'est-à-dire vraiment d'imagination. C'est-à-dire que, c'est, je ne sais pas, je n'en sais rien, est-ce que la serviette était comme ça, est-ce qu'à ce moment-là, mon bain était vraiment bouillant quand je rentrais dans... Mais par contre, j'ai par exemple un souvenir, j'adorais me mettre sous l'eau et de rester le plus longtemps sous l'eau et de calculer combien de secondes je restais sous l'eau. Bon, c'est un exemple. Et ça, je peux aller chercher, et donc c'est vraiment un mix des deux, en fait. Voilà. Le rythme est assez frappant, avec les phrases sont assez courtes, assez concises la plupart du temps. Le rythme, c'est quelque chose que vous avez voulu marquer de votre empreinte? Oui, parce que je pense que je réfléchis comme ça aussi. Je peux pas faire en fait c'est pas moi, je peux pas c'est comme comment vous dire, c'est il y a un côté comme une photo. J'ai pas envie de. Personnellement, je comprends mieux et j'estime que sans doute le lecteur comprendra mieux aussi si je lui explique ma photo comme ça sans lui donner énormément de détails. Et donc mes phrases reflètent ma pensée. Et les moments où j'ai essayé de décrocher de ça, parce que je me disais, enfin vous savez, c'est comme je suis moi-même une lectrice, j'admire des auteurs qui peuvent nous donner des descriptions où on sent, par exemple, je suis dans cette pièce où on ressent, où on sait où on est exactement, la couleur des murs,
la sonorité, les bruits, je trouve ça extraordinaire, mais c'est pas moi, je suis pas capable de faire ça. Et quand j'ai essayé de le faire, je me mentais à moi-même. Je me disais, mais c'est pas toi ça, tu sais pas. Donc j'ai essayé en fait d'être le plus fidèle à ce que je pouvais donner en écriture. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Tu veux comprendre. Voilà. J'aurais une question. Je n'ai pas encore lu votre roman, mais là, comme ça, à vous entendre parler, voilà, le rythme, ce dialogue entre la petite fille et la femme qu'elle est devenue, je pense beaucoup à Enfance de Nathalie Sarraute. Est-ce qu'il y a cette intertextualité ou absolument pas ? Parce que là, pas. Comme ça, ça alors, me fait beaucoup penser. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas lu. Alors, d'accord. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je ne vais pas faire semblant de... Ah oui, oui. Non, je ne l'ai pas lu. Donc, désolée, je ne peux pas vous... D'accord. Et en général, je lis... Enfin, après, c'est un autre sujet. Mais je lis des romans qui sont très éloignés, on va dire, de ce que j'écris. Voilà. Alors, pour le coup, c'est complètement de l'autobiographie pour Sarraute, mais... oui, non, c'est vrai que là, comme ça, en vous entendre parler, ça m'y a tout de suite fait penser. Alors, c'est pas de l'auto. Enfin, après, c'est toujours très. Je vais pas. Comment dire ? La nuance est tenue entre l'autobiographie. Voilà, oui, mais qu'est-ce qui est vraiment, franchement. C'est un sujet, mais infini, quoi. Moi, j'ai jamais eu envie de. C'est même pas une question d'envie. C'est que vraiment, je ne pense pas que ce roman soit autobiographique. Pour plein de raisons que je ne peux pas expliquer là, il n'est pas autobiographique. Il est d'inspiration autobiographique, oui, parce que j'ai été chercher des moments dans ma vie, dans mon enfance, dans mes réflexions de femme actuelles, mais il y a plein de choses... Le roman commence par un fait que je ne raconte pas pour les personnes qui n'ont pas lu. On peut le dire parce que ça arrive très tôt quand même. Allez-y. Bah, ça commence par la mort de son père. Ben, mon père n'est pas mort. Enfin voilà, tout est comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé. Par exemple, la mort du père était quelque chose qui m'a permis que ce personnage en fait soit dans une révolte totale, parce que la mort de quelqu'un de proche, et surtout je pense d'un parent, je ne l'ai pas encore vécu, mais j'ai imaginé ce que ça pouvait provoquer en elle, comme remue-ménage, ménage pardon, et donc c'est complètement plein de petites choses comme ça qui sont imaginées et inventées avec, en effet, des moments qui sont d'inspiration autobiographique, oui. Est-ce que vous pouvez nous lire, Natacha, la page 12, le début de, c'est quasiment le premier chapitre, hein, deuxième chapitre. La page 12, le début de la page 12, pardon, est assez, assez succulent. Donc, il m'a énormément fait rire. Est-ce que vous pouvez me faire ce plaisir-là? Ouh là là, ça va être drôle ça, parce que je ne sais plus la page 12. Et ça va mettre tout le monde dans le bain, voilà, notamment de l'humour et de la finesse de ce roman. Donc mon père est mort, on est bien d'accord. Hein, oui, c'est ça. Mon père est mort. Wen Li m'a appelé et m'a dit dans ton calme à l'asiatique, ton papa vient de nous quitter. J'ai balbutié, il est parti où? Et elle a prononcé cette phrase irréelle, ton papa est mort. Ensuite, le téléphone n'a plus arrêté de sonner. Il a bien vécu, il n'a pas souffert, il était heureux. On l'aimait, quel grand homme, quel grand bonhomme. Mais oui, c'est ça, c'est juste mon papa, mon unique, le seul, le vrai bande de cons. Alors vient le temps où l'on ne peut plus y échapper. On s'assoit, on regarde partout et nulle part, on déglutit parce qu'on sait, on sait. Je savais que le moment était venu de se poser la bonne question, la vraie, celle d'une vie.
Le problème est qu'une fois la brèche ouverte, impossible de la refermer. Pourquoi l'ai-je ouverte ? Mais il est trop tard. On essaye de vite la refermer, mais il y a des petits morceaux qui dépassent. On les pousse, on les tasse, mais il y en a toujours un qui se défile. Oups ! Encore un qui s'échappe. Ensuite, débordement, tout sort dans un flot ininterrompu. Des souvenirs épars, enfin ce qu'il en reste, d'amour, de vie, de tout et de n'importe quoi. Excepté que chez nous, ce fut beaucoup de n'importe quoi. Ensuite, j'ai laissé faire, j'ai laissé venir et j'ai attendu. Seul chez moi, dans mon appartement en ébullition, une ébullition de passé. Inerte, j'ai attendu le présent, j'ai attendu que mes enfants rentrent de l'école. Merci. Si je peux me permettre, je veux dire, c'est impressionnant parce que j'ai dû lire 4 fois, si ce n'est pas 5, et chaque fois ça me fait le même effet, quoi. Voilà. Je pense qu'elle le lit bien en plus. On est d'accord. Ce bande de cons est assez. C'est peut-être ma phase préférée. Ouais, je suis assez d'accord. Anne, est-ce que tu veux rebondir ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un a une question d'abord? Bon, oui, quelqu'un d'autre, parce que là, j'ai dit... Moi, j'ai une question. J'ai pas lu encore votre roman, mais je vous entendais parler de la différence entre ce que vous écriviez et l'autobiographie, et je me demandais si le fait que ce soit pas autobiographique, mais d'inspiration autobiographique, ça vous permettait pas d'avoir une distance avec des épisodes émotionnels forts, comme par exemple raconter la mort du père. Donc c'est un regard complètement différent que quelqu'un qui est complètement immergé dans les émotions d'un déjà vécu. Sans doute, vous avez totalement raison. Oui. Le côté inspiration autobiographique met une distance par rapport, en effet, à une vie, et donc permet justement d'imaginer de alors pour moi en tout cas d'être alors le mot est peut-être fort mais d'être plus créative de trouver presque alors oui en fait c'est compliqué de répondre mais je vais essayer. Il y a des moments dans le roman en fait où je vais dire je pars en vrille, ça peut presque des petits passages ressemblés à de la poésie, enfin des mini-poésies ou de l'absurdité, ou voilà, une forme de un peu de surréalisme. Alors ça, c'est très belge. Hein. Et sans doute, vous avez raison. Non, mais vous avez totalement raison. C'est-à-dire que le fait d'avoir quand même mis cette distance par rapport à ma vie, oui, m'a permis de faire ça, de tirer ces cordes un petit peu folles et un peu. Si j'avais collé, c'était pas du tout la même chose. D'accord. Ouais, oui, vous avez raison. Je me disais l'humour aussi. Pardon. Oui. Pardon. Pardon, Mathilde, vas-y. C'était juste pour dire, je pense que ça permet aussi d'inclure l'humour parce que c'est pas forcément évident quand c'est complètement émotionnel d'avoir la distance que vous avez, d'avoir la finesse dans la description que vous avez lue. Bien sûr. Voilà. Et il y a un passage que je ne dévoilerai pas dans le livre qui est par exemple extrêmement dur. Qui Anne va être d'accord avec moi. Elle est où Anne? t'es là. Il est très très court. Dans ce qu'elle raconte et d'une violence quand même absolue, eh bien, elle finit par un trait d'humour. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. D'accord, merci. Voilà. Et les Jamel. Gens, et peut-être que d'ailleurs... Pardon, Natacha, allez-y. Non, j'allais dire que peut-être des gens peuvent même être choqués. Par ce genre de... Mais pour moi, c'est une façon aussi de pas... Moi, en fait, je voulais pas que ce soit
Alors, j'espère que ça ne l'est pas, mais je pense pas. Sinon, d'ailleurs, Anne ne l'aurait pas publié. Je ne voulais pas être nombriliste. Je veux pas, je ne suis pas en train de dire « Ah, regardez-moi, regardez, regardez ma souffrance, et regardez comme je suis drôle, et regardez… » Ce n'est pas du tout ça. Mais par contre, je voulais, à certains moments, dire des choses très dures et qui font très mal, mais dire « Voilà, il y a une distance. » Je vous laisse après, vous lecteurs, imaginer ou m'en vouloir de pas l'avoir développé ou vous poser des questions ou voilà. Mais je voulais pas aller dans un, vous savez, dans un roman. Enfin moi, pour ça, certains romans à la française me gavent quoi. genre de trucs et d'années, je parle de moi et de moi et de moi et de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vécu et c'est horrible, enfin bon ça va quoi, c'est bon quoi. Ça, en fait si pour finir mon roman avait été ça, ben je j'aurais pas été contente de moi quoi, je me serais dit ben on s'en fout quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, voilà, j'espère en tout cas que c'est, enfin voilà, mais je pense que sinon Anne l'aurait pas publié. Ouais. Je confirme. Non, mais elle laisse un peu de travail au lecteur. Pardon, Anthony. Pardon, elle laisse pardon, un peu de bon. Travail au lecteur, en fait. Ouais, c'est bon ? Ouais, vas-y, vas-y, Anne. Voilà. Donc, je lisais, elle laisse un peu de travail au lecteur, un peu de place au lecteur. Et ça, c'est pas mal du tout, quoi. Et effectivement, c'est pas de l'autofiction, c'est pas de l'autobiographie, c'est un roman, vraiment, quoi. Et comme dans beaucoup de romans, en particulier les premiers, évidemment, on prend beaucoup de soi, beaucoup de sa vie, beaucoup des gens qu'on connaît, de ce qu'on a observé, de ce qu'on a imaginé, voilà, et ce qu'on a même pu déformer, peu importe. Hein. Mais on en revient aux souvenirs d'enfance qui sont un peu déformés et on en fait une histoire, quoi. C'est pas, peu importe si c'est vrai ou pas, c'est au lecteur de, là effectivement, d'imaginer et de remplir les blancs ou s'il en ressent le besoin. Voilà. Ce qui est d'autant plus brillant d'ailleurs de ne pas avoir fait d'autobiographie, c'est encore plus brillant. Isabelle, tu avais une question ? On va y arriver, Isabelle. Alors, on t'entend très mal. Hein. Même pas du tout. Non. Je passe sous un tunnel. Non, on t'entend pas, Isabelle. On t'entend pas du tout. Ouais. Écris ta question. Oui, on va la poser pour toi. Si quelqu'un a une autre question en attendant. Oui, alors c'est moi là. Du coup, j'ai été déconnectée. Je ne sais pas si la question juste avant c'était ça, mais la question que j'avais en fait, c'était de savoir par rapport à ce que vous avez dit au début de cette réunion. J'ai compris qu'il n'y avait pas de structure préétablie à votre roman en avance. Du coup, je me demandais comment est-ce que vous avez assuré la continuité de tous les passages pour que le roman forme une unité à la fin. Alors j'ai travaillé comme si c'était un collage. J'ai en fait pris toutes, parce que c'était comme plein de petites histoires différentes. Je les ai toutes étalées partout et j'ai réfléchi à vraiment ce qui liait. Par exemple, au tout départ, j'avais pas eu l'idée de l'alternance. Petite fille, femme, pas du tout. Mais je voyais très bien que j'écrivais plein de, comme des petites, c'était presque un moment comme des petites nouvelles, enfin des nouvelles ou des moments où elle est petite. Et puis je me disais, mais tiens, elle a, je sais pas, 6-7 ans, là elle en a 10, là elle en a 14. Et c'était plein de moments que j'avais écrit. Et j'écrivais aussi plein de moments où elle est devenue adulte.
même aussi même avant, quand je dis non, en fait des moments par exemple de son adolescence et puis un moment c'est comme si je mettais des comment dire des chapitres dans la vie de quelqu'un, mais c'est vrai que c'est un peu ça, c'est que on est enfant puis on est à un moment on est ado et puis à un moment on est mère, on est donc j'avais écrit tous ces moments et j'ai vraiment essayé de me dire mais quel est le fil conducteur en fait de tout ça. Et c'est pour ça que j'expliquais avant, c'est que je ne trouvais pas qu'est-ce qui faisait que cette femme d'une trentaine d'années, tout d'un coup, remettait en question toute son enfance et toute sa structure. Et c'est là que je me suis posé la question, mais quel est l'événement qui peut provoquer ça et qui peut provoquer une colère enfin, je ne sais pas comment je réagirais, mais c'est comme ça, c'est pour ça que je parlais beaucoup du corps. C'est que je me suis dit, si j'imaginais la mort de son père, elle aurait une colère en elle. Elle aurait une colère de dire, de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir vécu ça avec lui, de ne pas lui avoir... Et elle remettrait toute sa tout ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire sa relation avec son mari, sa relation avec ses enfants, sa relation avec ses amis, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit le roman, c'est que je me suis vraiment dit, cet événement-là peut faire que cette femme de 30 ans va faire un espèce de... Mais c'est important ce que Anne dit, c'est que ce n'est pas un dialogue, mais c'est vraiment... la petite fille qui parle et c'est le lecteur qui fait le rapprochement entre la petite fille et la femme qui est plutôt dans l'introspection, qui se pose plein de questions, etc. C'est construit ça, en fait. Et donc j'étais assez, en fait, pour finir, j'ai assez suivi son parcours, quoi. Elle est petite, enfin, ça commence à 6-7 ans et puis elle grandit et au fur et à mesure des chapitres, à un moment, pratiquement, les deux se réunissent. Quoi. Voilà, c'est... Je ne sais pas si je m'exprime comme une Belge. Hein. Donc, c'est... Ouh, c'est mieux, non, hein. C'est clair. C'est clair, merci. Isabelle, tu veux retester? Alors, on reteste. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Mais... Nickel. Donc, je disais juste une remarque. Par rapport à ce que disait la question de Mathilde tout à l'heure, je pense qu'aussi le fait de... Ouais, ça repart, c'est haché, Isabelle. On a dit oui, mais en fait, c'est non. Bon. C'est pas très grave. Je vais t'envoyer les questions. Essaie de la mimer, ouais. Peut-être. Ah, ça ne marche pas. Et est-ce que, alors moi j'avais une question pour toutes les deux, pour Anne et Natacha, c'est l'usage des parenthèses. Les parenthèses, je sais qu'Anne est assez attachée à la typographie, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as inséré, Anne, ou c'était déjà dans le roman initial de Natacha? Je ne sais pas, ça dépend. Donne-moi un exemple. Enfin, il y a beaucoup de parenthèses qui mettent en exergue à chaque fois un trait d'humour. Très souvent, ça vient ponctuer un moment et. Ouais, surtout chez la petite. Chez la petite fille. Oui. Parce qu'il y a justement. Non, mais ça, je pense que ça a été. Je pense qu'on a mis un peu plus de choses en. Si ça se trouve, j'ai mis des virgules à la place de parenthèses et des parenthèses à la place de virgules. Ça m'étonnerait de toi. Ouais, je confirme. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Alors, moi, je vais donner un exemple. T'as plus de souvenirs, ouais. Tu sais, je parle des poissons. Enfin, oui. Bref, ce n'est pas très bon. Je pense à mes poissons, entre parenthèses, même s'ils ne sont pas tous rouges. Tu vois, ça c'est toi. La parenthèse, ouais. C'est moi. Ouais, ouais. Et l'autre, par exemple, pas de ma faute, étant donné ce cheveu sur ma langue, entre parenthèses, que je cherche encore.
tu vois, ça c'est toi la parenthèse. Mais oui. Anne a fait un travail extraordinaire, hein. Je vais lui redire. Mais c'était un pur plaisir, mais vraiment, parce que c'est, enfin moi j'avais un peu peur, quoi. Je me dis mais comment ça se passe? Est-ce qu'elle va me renvoyer mon manuscrit avec tout barré et je vais, enfin et en fait. Moi j'aurais jamais osé lui envoyer. Hein. Et c'était vraiment un super, enfin une belle collaboration, quoi. C'était vraiment jamais j'ai eu mais une seconde le sentiment qu'elle, parce que j'imagine que ça peut arriver, elle a toujours fait super attention à pas dénaturer le sens, le texte, mon style. Mais elle était très très vigilante et même très rigoureuse sur la syntaxe, sur les fautes, sur des non-sens, sur, et c'était donc hyper agréable d'avoir. Enfin, moi j'ai appris énormément de choses, quoi. Ça c'est. J'ai envie de dire, comment dire très simplement. D'ailleurs, je le dis dans tout mon bouquin que je suis petite. Ben, je suis une petite écrivaine, encore toute petite, et donc très humblement, je pense pas, voilà, avoir, je pense pouvoir parler de ce que je connais. D'ailleurs, je suis pas encore prête à me lancer dans des sujets qui seraient très loin de moi. Mais en tout cas, le travail avec Anne a été un vrai. En fait, une vraie symbiose. Voilà. Symbiose. Ça a été comme un. Ça marchait, quoi. Ça fonctionnait. Il n'y a jamais eu de tension. Il y a eu des moments, des questionnements, des moments où on n'était pas totalement d'accord. Mais on trouvait toujours un terrain d'entente, mais pas en se disant bon, bah, ok, elle veut vraiment ça, bon, ok, je laisse tomber. C'était jamais ça, jamais, jamais, jamais. C'était toujours, ah ben oui, ben, on a trouvé ensemble, quoi. On a trouvé la solution. Parce que c'est ça que tu veux dire, mais la façon dont tu le dis est incorrecte. Donc il faut. Elle me disait, mais en fait, ce que tu veux vraiment dire, c'est ça. Est-ce que tu penses que... Et donc, c'était vraiment un très bel échange. Voilà. En tout cas, ça se voit que le travail éditorial a été vraiment très bien fait parce qu'on voit qu'il n'y a rien de superflu, en fait. Tout est bien ciselé. On voit que très souvent, dans les romans français dont on parlait tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de digressions, beaucoup de choses qui sont inutiles. Là, on sent que voilà, ça a été ciselé. Alors, Isabelle avait trois questions. Pardon. Alors, je peux dire un truc là quand même, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les bons auteurs, les gens qui sont doués au départ, ça va, c'est facile de bosser avec eux. C'est ça aussi. Je veux dire, tu prends un auteur, parce que Natacha, elle parle d'incorrection ou de problèmes de syntaxe. Alors bon, il y en a. Parfois c'est justifié d'ailleurs, selon qui parle, selon le contexte, enfin. Mais le truc, c'est que l'intérêt de respecter, enfin, il faut respecter le texte, le travail éditorial, sinon tu publies quelqu'un d'autre, hein. Si c'est pas pour publier, pour écrire dans le sens d'aller dans le, si c'est pas pour aller dans le sens de l'auteur, c'est pas la peine. Et Natacha, je veux dire, je ne pensais pas, en réalité, je n'avais pas prévu autant de travail avec elle. Quand j'ai eu le manuscrit, j'ai dit bon, ça va, quoi. Dans la semaine, c'est réglé. Et en fait, c'est parce que Natacha est exigeante aussi. C'est-à-dire que je signale quelque chose, mais elle me dit oui, mais effectivement, bon, je pense à un passage en particulier où elle avait quelque chose à dire, vraiment, qu'elle voulait dire, et qui faisait à peu près une demi-page, et où je lui dis mais c'est pas toi. Le problème, c'est pas que c'est pas beau, c'est pas intelligent, c'est pas le problème. C'était très correct, c'était très propre, il y avait rien à dire. Sauf que c'était pas Natacha. Et en fait, elle a travaillé là-dessus. Moi, je l'ai renvoyée avec sa misère. Hein. Et puis elle a travaillé. Et en fait, d'un paragraphe, il y avait peut-être même deux paragraphes, on est arrivé à deux phrases. Parce que
à la fin, elle avait l'impression que ben, c'était ça qu'elle voulait dire vraiment. Et là, moi, j'étais contente parce que ça, c'était elle. Ça se voit énormément, Anne. Ça se voit énormément. Quand tu dis, voilà, c'est pas chacune tire d'un côté, on fait pas des on n'a pas fait de compromis. On est arrivé à un truc où c'était mieux que toutes les deux réunies, quoi. Enfin, que chacune des deux. Toutes les deux réunies, c'était mieux que chacune des deux. Voilà. Alors, Isabelle avait trois questions. Malheureusement, la connexion n'a pas tenu. Alors, la première, c'est votre livre fondateur en tant que petite fille. Si vous lisiez, évidemment, en tant qu'enfant, votre livre fondateur. Évidemment, ce n'est donc pas « Enfance » de Nathalie Sarraute. Mais petite fille, quel âge? Ouais, j'imagine jusqu'à 15 ans, 13-14 ans, allez. Mais j'ai pas de livre fondateur, c'est ça qui est étrange. Ou un livre qui vous a vraiment marqué, ou pas forcément fondateur, mais qui au moins vous a marqué. Non, mais je sais qu'un livre qui m'avait énormément marqué, je sais plus quel âge j'avais, c'était le portrait d'Orian Gray, par exemple. Ça m'avait énormément ça m'avait carrément bouleversée à l'époque. Après, il y en a d'autres, mais franchement, c'est tellement vaste comme question. Il faudrait vraiment que je réfléchisse. Je suis désolée, hein, mais parce qu'en plus, petite, je lisais pas énormément. En fait, j'étais. Mais j'en parle dans une interview. J'étais très. J'étais très axée sur la danse, le chant, le dessin. Je ne lisais pas énormément. En fait, la lecture, ça a vraiment commencé, je dirais, vers 15 ans. Bon, enfin, comme beaucoup d'ados, hein, vers peut-être 13 ans, 13, 14 ans. Je ne sais pas, il faudrait vraiment que je me replonge. Alors, il y a aussi une chose très importante, j'ai une extrêmement mauvaise mémoire. Et donc, non mais c'est vrai, hein, c'est, par exemple, je peux voir un film, mais c'est étonnant, je peux voir un film que j'ai adoré il y a 3 jours et puis me rappeler du titre. Non mais c'est comme ça, hein, je vous jure, j'ai une mémoire, c'est une catastrophe. Et donc, c'est aussi intéressant dans mon travail, parce que comme ça me rend dingue, je travaille souvent sur... parfois, on me dit, mais c'est quoi les 3 derniers livres que tu as lus? Et je suis là, bon, je t'ai parlé du livre que je suis en train de lire, mais je dois presque me dire, en fait, c'est comme si je tournais page, quoi. Je trouve qu'il y a tellement de choses extraordinaires, que ce soit dans... la littérature anglo-saxonne, évidemment, francophone aussi. Je suis une folle de cinéma, de séries, n'en parlons pas. Il y a plein de choses qui... Et je suis un peu quelqu'un de... c'est pas du tout... c'est étonnant ce que je veux dire. Mais j'ai un côté superficiel que j'assume. Je suis désolée. Je suis quelqu'un, je suis une pro de rien et en fait c'est ce qui nourrit aussi ce que j'ai envie de dire et d'écrire. Je sais pas comment vous dire, c'est très complexe. J'ai pas envie de fixer les choses. Il y a plein de créateurs, d'auteurs, de cinéastes qui me bouleversent. Mais j'aime bien passer. J'ai pas envie de les analyser. J'ai pas envie de. C'était comme un bon moment, quoi. Et j'ai juste envie de garder ce que les sensations, ce que. Voilà, c'est un truc que c'est très corporel. Je suis désolée. Je peux pas trop vous. C'est très original, en tout cas. Et alors la deuxième question, troisième même d'Isabelle, était le livre français que vous n'avez jamais pu finir. Est-ce que vous avez des livres qui, voilà, un livre assez connu forcément, un classique? Ouais. Alors je suis honteuse, hein. Donc c'est comme ça. Belle du Seigneur. Ça arrive. Et
Pareil pour moi. Moi, mais comment est-ce possible? J'arrive pas avec ce livre, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et chaque année, quand je suis en vacances, je me retrouve en Bretagne. Il y a Belle du Seigneur, je me dis, là, cette fois-ci, c'est la bonne, il y a un truc que tu as raté. Je recommence depuis le début, parce que je peux pas, c'est pas possible. Quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis, à un moment, ça me gaffe. Je suis désolée, hein, excusez-moi. C'est terrible de dire ça, hein. C'est pas bien. Hein. Mais il y a un moment, je sais plus, je crois que c'est dans le bureau où il commence. Oui, c'est un moment, c'est quand ça vire trop autour de son bureau, je ne sais pas, c'est vraiment, j'ai une image comme ça de son bureau où il décrit, il y a une description exactement des choses qui sont posées, de comment il se tient, etc. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je lâche, quoi. Mais je vais le reprendre. Personne n'y croit, Natacha, personne n'y croit. Ah non, il faut passer directement à la page d'après cette fois-ci. Ouais. Moi, j'ai une question. Ouais. J'aurais voulu savoir quelle est la partie que vous avez trouvée la plus difficile dans l'élaboration de votre roman. S'il y a un moment donné où vous avez buté sur quelque chose, ou s'il y a un moment donné où vous avez souffert, il a fallu vous accrocher. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Et en fait, je vais vous dire, j'ai la même chose. Enfin, je suis en train de vivre exactement. La même chose sur le deuxième que j'essaye d'écrire, qui traite, on va dire, de façon assez large, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, de la folie, où sont les limites Natacha, on vous entendait plus, ouais. Oui. Ah d'accord, désolée. C'est le moment en fait où il faut se dire je continue. Chaque auteur a sa façon de travailler. Hein. Moi, je sais que je ne peux pas travailler avec une structure préétablie. Voilà, je ne peux pas me dire en fait, ok, j'ai raconté l'histoire de ça, ça commence comme ça. Enfin, d'ailleurs, en fait. La raison pour laquelle je ne pense pas être capable d'écrire un scénario. Et donc, il y a un moment où, en fait, c'est un peu le foutoir, c'est plein de trucs, des écrits, avec une thématique, en effet, qui est là, mais il n'y a pas de structure. Et en fait, on en laisse tomber et dire, bon, c'est n'importe quoi, ça part en vrille, là je parle de ça, là je parle de ça, oui il y a un thème commun qui est peut-être, alors je vais donner par exemple la folie, c'est un thème hyper large, hein, mais c'est ce moment-là où il faut se dire, allez tiens le coup. Et en fait, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres auteurs, mais moi j'ai un petit ange gardien qui est ma mère, qui est un peu mon... Je lui envoie mes textes comme ça, parfois dans le métro, j'écris un truc, hop, je lui envoie, etc. Et elle a toujours été d'une bienveillance incroyable, c'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit, mais continue. Et puis même quand c'était pas terrible, parce que l'idée est bien, c'est mal écrit, il faut que tu le retraites. Et donc, c'est cette espèce de moment, j'ai envie de dire, où on se dit, je vois pas ce qu'on va faire. Et puis aussi, le fait de se dire, mais pour finir, est-ce que c'est intéressant ce que je raconte? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y a tellement de choses, tellement plus importante que ce que je raconte, et puis il y a surtout tellement d'auteurs tellement brillants, tellement, mais qu'est-ce que je... Et en fait c'est cette espèce de moment où il faut pas lâcher, en fait j'ai envie de dire ça, c'est le moment où il faut vraiment pas se juger, je pense. Voilà, je pense qu'il y a un temps pour se juger en tant qu'auteur, c'est un moment, il faut en effet relire
écrit, dire là ça va pas, là c'est pas bien, là c'est compréhensible, là c'est mal écrit, là ça n'apporte rien, ça oui, il y a un moment, mais ce moment il faut bien le placer. Il ne faut pas le placer trop tôt, parce que ça peut être directement de se dire, mais bon, voilà. Je dirais, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci beaucoup, Natacha. On est là pour vous donner confiance. Hein. En tout cas, en l'ayant lu, continuez d'écrire. Continuez, parce que sincèrement, c'est fort. Merci. Si quelqu'un a une question. J'ai deux petites questions, bonsoir. Alors déjà, je tiens à vous dire que moi aussi je suis belge, je suis d'ailleurs en direct de Bruxelles et je voudrais que vous revendiquiez un peu plus votre belgitude quand même, et c'est pas grave de parler belge. Mais oui. Allez, on va parler vraiment entre nous là. Je voudrais vous demander d'abord pourquoi c'est nécessaire pour vous d'écrire des choses dures ou difficiles ou qui font mal. J'ai parfois du mal à comprendre ça. Et ensuite, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est que pendant 10 minutes, on était en train de parler du fait que c'était peut-être autobiographique, peut-être pas. Alors ça, c'est quelque chose de très français que je ne comprends pas non plus. Pourquoi à tout prix mettre une étiquette sur un récit ? Voilà, c'est mes deux questions. Vous avez totalement raison. D'abord, moi, je suis comme vous, c'est que je trouve ça... Alors, je ne sais pas si c'est très français ou pas. En tout cas, ce n'est pas belge. On peut tourner les choses comme ça. C'est dire qu'en Belgique, on n'est pas très étiquette. Mais ça, c'est aussi notre culture. Vraiment, l'anti-étiquette, c'est le surréalisme. Voilà, la Belgique, c'est vraiment le pays du surréalisme, de l'absurde, d'un humour doux et amer et avec beaucoup de nostalgie aussi, beaucoup de une forme de, enfin c'est comme ça que moi je le ressens. Hein. Chaque fois que je retourne là-bas, je suis à la fois heureuse et fière d'être belge, mais il y a quand même une petite tristesse qui quand je fais la route, par exemple, et que je pars de chez moi, que je passe porte de la chapelle, machin et tout ça, et puis que j'arrive en Belgique, je suis prise d'une tristesse. Alors, c'est peut-être parce que j'y suis plus. Ça, c'est... Mais je pense qu'en Belgique, il y a quelque chose. Enfin, d'ailleurs, je pense que notre ami Brel l'a bien. Il y a quelque chose de. Une tristesse forte. Je ne sais pas comment le dire. Et je suis d'accord avec vous que nous, en Belgique, on ne met pas d'étiquette, c'est-à-dire roman, récit autobiographique, récit d'inspiration autobiographique, c'est moins, et ce n'est pas nécessaire. Donc ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, je crois, non ? Voilà, c'est Pardon. Ça. C'est exactement ça. Ah, parce qu'il y en a un en France, parce qu'il faut me le dire. Et donc, et sur les moments durs du livre, j'ai envie de vous dire, je sais pas, la vie, c'est pas ça aussi, c'est pas aussi, enfin vous, votre vie, elle est géniale tout le temps, elle est super drôle et marrante. Moi, je dis ça en rigolant, hein, mais ça fait partie d'abord ça fait partie de la vie, puis second, et puis deuxièmement, ça fait partie des ressorts pour qu'il y ait une dramaturgie. Si j'écris, bon, alors après je peux faire du Stéphane de Groot, hein, que j'adore, hein, et écrire des jeux de mots et de l'humour, etc. Mais même lui, il n'est pas toujours drôle. C'est pas si simple à définir. Voilà, moi je pense que ça fait partie de la, voilà, de la dramaturgie de ce roman, et j'avais besoin d'avoir des moments qui viennent un peu bouleverser justement ces moments un peu poétiques, humoristiques, etc. Et aussi parce que ça fait partie de la vie, c'est-à-dire il y a des moments très crus aussi dans mon roman, mais
Par exemple, il y a des moments où je parle de la relation amoureuse d'Adélaïde. Je sais pas vous, mais si vous, c'est tout le temps génial avec votre couple, enfin dans votre couple, top, hein, faut me donner le secret, faut m'expliquer, enfin, je sais pas, faut me dire, hein, cette que je connais pas. Mais ça fait partie de la beauté de la vie, et donc la souffrance et la douleur, si elles sont, et ça, pour ça, il faut lire le livre aussi, si elles sont soignées, je pense que c'est un plus. Voilà, enfin un plus. Attention à ce que je dis. Hein. Je pense que certaines douleurs, si elles ne sont pas trop vives et qu'elles peuvent être vraiment soignées, elles peuvent donner naissance à des belles choses. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Qui a une autre question ? Anne, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Non, mais je suis d'accord avec ce que dit Natacha, là, de toute façon, tout le temps, la plupart du temps, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Non, sinon, ça n'a aucun intérêt, enfin, franchement. Je veux dire, même dans un roman Arlequin, il y a des horreurs qui se passent, et parce que sinon, il n'y a rien à dire. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'on avance. Si on, dans un roman, enfin, et même dans la vie, on avance parce qu'on est tombé, qu'on se ramasse et qu'on repart. S'il n'y a pas de choses dures, s'il n'y a pas de choses difficiles, c'est pas intéressant. Et même la vie ne serait pas très intéressante. On parlait la dernière fois avec Jean-Marc, justement, que vous êtes venu publier du Feel Good. Est-ce que ça rentre dans ce... Est-ce que le feel good, par exemple, a des moments trash ? Pour dire la vérité, ce bouquin, le bouquin en particulier dont on t'en parlait, qui a eu beaucoup de succès, La pâtissière de Long Island, je ne l'ai pas lu. C'était pas dans mes... Bon, à l'époque, on publiait beaucoup et je ne faisais pas tout le travail. Mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Même si c'est un roman où on se sent bien. Et d'ailleurs, le roman de Natacha, je suis désolée. C'est un roman où... je ne sais pas ce que c'est. Moi, je n'aime pas les étiquettes non plus. Enfin, il y a les genres qui sont des genres de la critique littéraire et qui sont les genres de l'université. Et ça existe. Bon, c'est comme ça. Il y a les romans, il y a la fiction, il y a la poésie, il y a le théâtre. Bon. Mais en dehors de ça, je ne sais pas ce que c'est un roman feel good. Je ne comprends pas. Ça peut être un roman qui finit bien. À l'époque, je me rappelle, quand j'étais libraire, on a eu la chiclite. Alors, les romans de filles, bon, ben, c'est pareil, mais c'était des romans de filles, c'était drôle, c'était sympa, mais il y avait des problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à raconter. Bon, donc là, je pense que pour ce qu'on appelle maintenant les feel good, le bouquin de Natacha, c'est un feel good. Je veux dire, quand on a fini le bouquin, quand on a fini le bouquin, on a envie de vivre. Ah oui, ça on oui. On n'a pas envie de se jeter par la fenêtre. Ça donc oui. C'est ça qui est important. Il y a une nuance peut-être entre les deux. Oui, mais honnêtement, je ne la connais pas parce que... le roman La pâtissière de Long Island, c'est effectivement une belle histoire, pleine de bons sentiments, mais je pense qu'il y a effectivement... Il se passe des choses. Enfin, la vie n'est pas faite comme ça. C'est pas un chemin de pavé de rose. Et si c'est arrivé à Long Island, la pâtissière en question, c'est justement parce qu'il y a eu de grosses merdes avant. Ouais, justement, moi j'ai lu ce livre et c'est vrai que j'ai pas du tout. Enfin, je l'ai pas du tout catalogué comme un roman feel good. C'est après que j'ai entendu les gens dire que c'était un feel good et pas du tout. Enfin, il y a toute l'expatriation de l'Italie. Enfin, bon, c'est vers les États-Unis. Enfin, c'est pas du tout un long fleuve. Loin de là. Alors oui, ça se finit très bien, il y a une happy end, je pense que c'est pour ça qu'il a été catalogué en fait. Mais, mais bon, et d'ailleurs j'aurais même préféré qu'il n'y ait pas une happy end et qu'il y ait un truc un peu, un peu plus, mais bon, ça c'est mon côté romanesque, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que Feel Good, ça regroupe, je pense que ça regroupe à tort les romans, enfin de mon point de vue, des romans qu'on a tendance à dire un peu creux parce que justement il n'y a pas des grands sentiments, des grandes souffrances et des grosses émotions et que ça se lit facilement dans les pages sur une plage au soleil. Je pense que c'est ça que dans la tête des gens, c'est un bien grand préjugé, hein, je suis d'accord.
Ben, merci. Alors, merci parce que voilà, j'étais pas trop sûre de savoir où j'allais en fait, mais moi je pense à un roman par exemple. Je sais pas si vous avez lu là, les uns ou les autres, Le cercle des éplucheurs de patates. Bon, dans mon souvenir, alors, il y a très longtemps que je l'ai lu, donc tu me corrigeras si je me trompe, mais dans mon souvenir, c'est pas non plus un roman lisse. Non. Voilà. Et pourtant, c'est un roman qui est plein de vie, plein d'espoir, plein d'humour aussi. Et je pense qu'il peut être catalogué. On pourrait le mettre dans les feel good si on va par là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais, disons voilà. Que c'est une histoire qui se passe pendant la guerre sur l'île de Wight. Oui. C'est pendant la guerre 39-45. Et c'est pas effectivement le côté le plus noir de la guerre. Parce que non. L'île est quand même protégée, c'est l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni. Mais néanmoins, il y a cette expatriation des enfants qui rend tous les parents malades parce qu'on les met à l'abri des bombes, des bombardements et d'une éventuelle invasion de l'île par les Allemands. Et donc, il y a des choses, il y a des ressorts dramatiques, il y a des ressorts romantiques, puisqu'il y a une histoire d'amour qui se crée. Et puis, il y a surtout ce ressort assez extraordinaire qui est la création de ce cercle littéraire. Voilà. Qui permet aux gens de l'île de Wight de vivre et de passer le cap et de se fédérer contre l'ennemi, contre les horreurs de la guerre et puis de tenir le coup. Alors, en ce sens-là, on peut dire que c'est quelque chose qui s'apparente à du feel good, mais moi, je trouve que c'est pas forcément à mettre dans cette catégorie. Non, même mais si c'est très agréable. Mais voilà, mais enfin c'est pour ça que l'étiquette n'est pas facile et c'est pour ça qu'on pourrait dire de la même manière que le roman de Natacha pourrait s'apparenter à du feel good parce qu'on se dit oui bon ben en conclusion la vie est belle quoi qu'il arrive. Oui, le problème voilà. C'est que l'étiquette feel good en France est quelque chose de très étriqué et les romans sont un peu un peu faits. Sont écrits en tout cas pas très adroitement, tandis que le roman de Natacha, il est véritablement bien écrit. Excuse-moi de t'interrompre, mais je pense honnêtement que le roman de Natacha, c'est de la littérature. Ah bah bien sûr. Il y a pas, pour moi, et le propre de la littérature, c'est pour ça qu'on insistait pour revenir sur ce que disait notre ami belge, on étiquette roman. Pas roman, autobiographie, autofiction, etc. Mais le propre de la littérature, c'est que c'est universel. Donc, même si c'est un roman à la première personne, même si elle y a mis de son histoire, de sa vie, de ses sentiments, c'est universel et c'est de la littérature. Voilà. Et après, peu importe, c'est de la littérature, c'est de la fiction. Et après, peu importe que ça soit du feel good, que quelqu'un trouve ça triste, moins triste, plus triste, voilà. Mais de toute façon, c'est un livre, donc, c'est un livre et c'est de la littérature, donc forcément, après, on se sent beaucoup mieux, je pense. Si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Si Natacha veut rajouter quelque chose sur ce débat poignant d'étiquettes. J'allais juste rajouter qu'en effet, si c'était pas le cas, je ne l'aurais pas écrit. C'est-à-dire que je rejoins Anne, ça m'intéresse pas en fait. Ce qui m'amuse dans l'écriture, c'est aussi de laisser libre que mon imagination puisse partir. Quoi, j'ai pas envie de coller à quelque chose. Mais pour laisser cette imagination et cette fantaisie et cette envie de trouver le mot juste ou le mot qui chante ou le mot ou la phrase qui a une musique, je m'accroche à des moments qui me parlent quoi. Et donc ces moments qui me parlent, c'est pour ça que je dis que il y a un côté ancré dans la réalité parce que ces moments qui me parlent. Ils vont chercher quelque part, ils vont trouver leur source dans ma vie, mais c'est ce qui en sort après qui est magique, c'est ça qui est beau et qui exalte
le temps dans l'écriture. C'est pas de décrire ce qui... pas quand je repense à mes enfants quand ils étaient petits et puis que j'allais les chercher à l'école et puis qu'il y avait cette odeur comme ça de, d'école, de bonbons, de cantine, de, puis les pulls qui étaient un peu sales, etc. Bon, si c'est collé à... Non, ce qui va m'amuser, c'est de partir de là et d'essayer de... Voilà, de donner ça au lecteur et que le lecteur prenne cette phrase et on fasse sienne, quoi, et qu'ils se disent, ah ben oui, moi avec mon enfant, c'est marrant parce qu'elle elle parle de ça, mais c'est marrant parce que moi, ah ben moi, c'est totalement comme ça que je le ressens, mais en même temps, je comprends un petit peu ce qu'elle veut dire, voilà, et c'est pas collé à, enfin, voilà, c'est ça qui est beau, et quand on lit des grands auteurs, tout d'un coup, il y a, ouf, c'est, ça prend, quoi, ça, c'est... ou un beau film, ou un film fort, avec des, bien sûr, des gens qui ont des choses à dire, à exprimer. Mais c'est pour ça que excusez-moi, hein, je suis un peu en boucle, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à développer dans les arts, que ce soit la littérature, le cinéma ou le théâtre, et le corporel, c'est-à-dire que on est trop axé sur notre mental, sur l'intellect, et le corps a tellement de choses extraordinaires à offrir à la créativité. Voilà, c'est comme ça que c'est un outil extraordinaire. Voilà. Et concernant le roman en cours, est-ce que Anne a déjà lu quelque chose ou Natacha, vous gardez ça? Non, parce que quand j'ai répondu, je suis trop là dans l'espèce de non, mais quoi? Non, parce qu'en fait, j'ai tout le temps je rêve énormément, et je me souviens très souvent de mes rêves. Ça, c'est une première chose. Et puis d'autres choses, j'ai des choses comme ça qui me viennent et qui m'obsèdent. Je suis obsédée par les chaussettes orphelines. C'est un truc qui me... Voilà. Comment vous le dire? Je ne sais pas, ça m'obsède, ça me rend dingue. Je ne comprends pas où passent ces chaussettes. Et par exemple, ça m'est arrivé récemment, mais voilà, de me dire, mais est-ce que ces chaussettes, en fait, les pauvres, elles parlent ensemble, elles sont tristes? Elles vont finir à la poubelle ou dans la boîte à cirage, mais c'est atroce, quoi. Et les autres, là, les belles chaussettes en haut de ma bulle, enfin, elles sont là, toutes frétillantes, toutes coquettes, et les blessées pour compte, là. Et alors, je me dis, qui s'appelle Don Quichotte. Bon, je donne un exemple. C'est de la folie. C'est une nana, par exemple, d'un coup, elle pense vraiment que les chaussettes, elles parlent et elles vivent. Bon, ça, c'est une petite histoire, mais j'en ai d'autres comme ça. Et à un moment, je suis avec tous mes trucs et je me dis, mais c'est de nouveau, je me dis, mais qu'est-ce qui relie tout ça? Et en fait, je me dis, ben, en fait, quelque part, c'est la folie. Est-ce que si vraiment je pensais que mes chaussettes, elles parlent, non, mais je parle sérieusement. Est-ce que je suis vraiment folle ou pas? Est-ce que les Japonais, dans la tradition japonaise, s'ils pensent que que la nature a une âme, je ne sais pas si on vraiment rentrait dans la culture japonaise, je pense qu'on se dirait, mais ils sont fous, quoi. Moi, je pense sérieusement qu'il y a des choses comme ça. Alors, je ne pense pas que les chaussettes parlent, hein, je vous en... quand même, mais Pourtant, c'est surréaliste. Vous parliez des surréalistes belges, ben, ça ressemble exactement à ça. Bien sûr. Mais en fait, c'est où est la limite de tout ça? Voilà, si une maman disait à ses enfants, écoute, viens écouter, je te jure, il y a une chaussette, elle s'appelle Don Quichotte, elle est en train de parler, elle veut sauver sa peau. Est-ce que le gamin va dire, putain, maman, elle est trop super, elle a une imagination dingue, elle est marrante, elle me fait marrer, et c'est génial, ou est-ce qu'il va être gêné? Il va se dire, putain, c'est la honte, ma mère, putain, elle va plus, là, le confinement, ça... Non, mais c'est sérieux. Et donc, tout ça, c'est une thématique, voilà, qui est proche de la folie, et, mais qui est en plein... Avec des...
J'adore parce que bah, ma mère est complètement comme ça. Donc, elle m'a élevée comme ça. Je dirais que c'est folle, au contraire, j'adore. Mais oui. Je suis devenue comme ça. En revanche, tout le monde me traite de malade des fois. Mais j'adore parce qu'on voit la vie vachement, c'est vachement plus fun que la vie grise. Mais on est conscient que c'est faux. Mais mine de rien, ça nous passe quand même par la tête. Bah ouais, je suis totalement d'accord. Mais en tout cas, c'est. Voilà, c'est une thématique que je trouve intéressante parce que, voilà, après, il faut que... Je me suis dit, par contre, pour mon prochain roman, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout fait avec le premier, c'est que je voudrais faire quand même un petit peu plus, alors sans dénaturer mon écriture, etc., mais faire peut-être un petit peu plus de recherche. Par exemple, j'aimerais bien aller vraiment faire un tour dans un hôpital psychiatrique. Et alors pas pour spécialement parler avec des psychiatres et demander, mais pour m'imprégner de l'atmosphère, de ce que je palpe, ouais, l'atmosphère et puis plein d'autres choses, les odeurs, les bruits, enfin tout quoi. Et voilà un petit. Une petite piste de réflexion qui n'est pas encore aboutie, loin de là. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir où vous en êtes, Natacha, à peu près, ou ça vous stresse? Ça me stresse. Ouais, ça me stresse là. Honnêtement, je suis. Déjà, on va parler de celui-là. On va rester sur celui-là. Voilà. Non, ça va tout. C'est là. Déjà, et puis après que le confinement, c'est étonnamment pas une période très propice. Alors je parle pour moi, ça n'a pas été une période très propice à l'écriture, étonnamment. Enfin, étonnamment, en fait, peut-être pas. Hein, peut-être que c'est de trucs presque. Alors dans l'écriture, c'est sûr qu'il faut une rigueur. Hein. Enfin moi, la rigueur chez moi, c'est de ne pas me juger. Et de m'autoriser à écrire ce que je veux, quand je veux, enfin, façon de parler, pas quand je suis bureau, mais où je veux, mais de le faire. Ça, c'est ma rigueur. Je n'ai pas une rigueur où je me dis à 6 heures du matin, j'écris, j'ai travaillé. Enfin, je n'ai pas ce genre de rigueur-là. Peut-être qu'il faudrait que je l'aie. Ça, c'est autre chose. Tout ça pour... je ne sais plus. Voilà, excusez-moi. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Désolée. Vous disiez que le confinement, ce n'était pas une période très propice à l'écriture. Et du coup, ça n'a pas été... Natacha, on ne t'entend plus. On ne t'a pas entendu, Natacha. Ah, non, je résumais en disant que ce n'était pas une période propice. J'ai pas écrit énormément durant ces 2 mois. Voilà. J'ai écrit. Et alors là... Oui, alors la question fatidique arrive. Vu votre complicité, on a du mal à imaginer que le prochain livre ne soit pas chez Piranha. Oui, elle n'a pas le choix. Non, en fait, c'est très compliqué. Mais bon, il y a un cadre juridique à tout ça, en réalité. Mais bon, je pense que là, on n'a pas besoin de cadre juridique. On s'entend très bien. Et de toute façon, soit le livre n'est pas pour nous, pour des tas de raisons. Enfin, oui. Pas pour un éditeur en général. Il y a un contrat entre un auteur et un éditeur. Quand l'auteur propose un autre ouvrage, soit le livre ne rentre pas dans la ligne éditoriale de l'éditeur, et on peut s'entendre et donner sa liberté pour cet ouvrage-là à l'auteur, la liberté d'aller voir quelqu'un d'autre. Soit c'est le contraire, bon, on n'a pas envie. On peut s'arranger, mais nous, on n'a pas de ligne éditoriale. Alors voilà. Et faut pas dire ça, elle est disparate. Après, si Natacha veut plus de nous, bon voilà, on va pas se fâcher non plus. Okay. Si quelqu'un a une question, Cassandre.
Il y a Sandra qui vient d'arriver, qui est parfaite. Bon, bah écoutez, alors si personne n'a plus de questions, on va vous remercier toutes les deux infiniment. Certains l'ont lu, certains ne l'ont pas encore lu. Mais en tout cas, je pense que Natacha et Anne vous ont donné envie. Donc, merci infiniment à toutes les deux et peut-être à bientôt pour le prochain. En tout cas, avec grand plaisir. Est-ce qu'il est en librairie ou est-ce qu'il peut le commander directement aux éditions ? J'ai pas du tout entendu là. Bon. Est-ce qu'il est en librairie ou est-ce qu'on peut le commander directement via Piranha ? Non, a priori, il vaut mieux s'adresser à des libraires. C'est leur métier. Nous on est éditeurs, voilà. Et on. D'ailleurs, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente sur le site officiel. Hein. Ah non, on n'est pas. Voilà. Je pense que c'était sa question. C'était ça ma question. Oui, pardon. Ouais, j'ai entendu que là. Loin de moi l'idée de spolier les libraires, au contraire. Non, mais bon, voilà, c'est simplement c'est comme ça que ça marche. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Et avant de partir, on fait toujours une sorte de selfie virtuel, une sorte de screenshot. Donc mettez-vous sur vos plus belles, sur vos plus beaux profils, votre plus beau profil. Et on y va dans 3, 2, 1. Natacha, on l'a perdu. Ah, mais elle est pas mal. Elle va aimer. Natacha, où es-tu ? Mais je suis là. Et on ne te voit pas, enfin on voit tes cheveux, mais pas ton visage. Ah voilà, c'est bon. Ah, pardon. Super, c'est bon, parfait. Merci à tous. Merci infiniment, merci Anne et Natacha. Merci Anthony. Merci Anthony. Merci à tous. À bientôt. Merci Natacha. Au revoir. Merci Natacha. Merci Anne.